Et salut tout le monde, c'est Dortos, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Crisis Core. Oui, comme d'habitude, j'ai oublié de noter le numéro de l'épisode. Ce sont des choses qui arrivent. J'enlève juste la souris de là. Putain, ils arrivent quand même à me les balancer. Juste ma manette a eu quelques petits soucis. Ouais, quelques petits soucis. Oh, 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 c'est bon là. Merci. Voilà. Donc, ma manette a eu quelques petits soucis. Elle a reçu un choc et donc. Il y a certaines touches qui déconnent un tout petit peu mais qui peuvent me gêner, donc il fallait qu'on retrouve Sephiroth qui était je ne sais plus où, qu'on va essayer de trouver son ce petit. Il est où ce con? Ouais, c'est plutôt par là bas bon, j'essaye un chemin, on verra bien hein. Jamais été très fort en orientation, surtout dans ce bâtiment là. C'est Fiouné? Non, évidemment, il est pas là. On n'a pas de carte, évidemment. Tout fait exprès pour m'embêter, hein. Bon, on repart, c'est pas grave. Déjà, on va remonter tout là-haut sur la montagne. Totalement paumé. Tiens, j'ai plus de PM. Ne vous inquiétez pas, je gère. Voilà. Faut juste utiliser un petit item. Ah bah il est là-bas, c'est Fiouné. Coucou. Le courant est rétabli. Allons-y. Bon bah je te suis, écoute. Quelle horreur. Pourquoi tu parles comme un blasé, ces filles? Bonjour. Ouh, qu'il est beau. Il y a un monstre à l'intérieur. C'est ici qu'il fabrique les répliques. La sauvegarde. Sauvegarde encore d'épisode, c'est ici. Voilà. Ces filles, ce sont des documents de recherche confidentielle qui ont été volés par Hollander. Les documents volés concernaient le projet G, la dégénérescence et les anciens. Ils sont peut-être encore ici. Fouille soigneusement. Voilà. Projet G résumé. Objectif, implanter des cellules d'un ancien dans un fœtus humain afin de doter l'enfant à venir des capacités des anciens. Ah. It was Hollander's experiment. The result was a normal child, which many failed. However. Mm-hmm.
C'est vachement glauque votre histoire, les gens. Un rapport sur le phénomène de dégénérescence du soldat. Les capacités accrues des membres du soldat sont dues au maintien d'un équilibre fragile entre divers facteurs génétiques. Tout changement dans cet équilibre pourrait être dû à une perte d'information génétique, mais ceci est impossible dans les conditions normales. Ce phénomène n'est propre qu'aux soldats du type G. Ça me donne la migraine. Moi aussi! C'était avant que Genesis ne déserte. The wound was superficial. But for some reason, Genesis wasn't healing. The man who treated him was Hollander. Professor Hollander, how is Genesis? The problem is the Mako energy that seeped in through the wound. Is it treatable? First, he'll need a transfusion. You aren't viable. Why couldn't I be the donor? A soldier, type G. Pourquoi il y a une musique dépressive, putain? Non, ça on a déjà lu. You should look into this too. Mais est-ce que j'ai même pas le droit de partir, je me fais engueuler avant. Alors, recherchons bien, il n'y a pas de documents. Il n'y en a pas, lui je l'ai vu. Lui je l'ai déjà vu aussi. Comment là je l'ai lu. Je vais y reparler. Non. Ah, oui, je l'ai pas vu lui. Le projet ancien, description. Il est désormais sûr et certain que la forme de vie déterrée faisait bien partie de la race ancienne légendaire. De plus, les archives indiquent que ces anciens auraient canalisé le pouvoir de cette planète, afin de diviser la Terre en deux. Grâce aux cellules de l'ancienne déterrée, nous avons commencé à effectuer des recherches visant à créer une race disposant de caractéristiques comparables. L'objectif principal de ces recherches est de réduire de façon significative le coût d'extraction du Mako. C'est bon, t'es contente, on peut se barrer. You should look into this too. Non. On n'a pas le droit. Parlez, c'est bon. Project G gave birth to the man we know as Genesis. Project G. Project Genesis. Contrary to this report, Genesis showed clear signs of change. Degrading? Not only that. Copies? Abominations. Sephiroth! Hollander, I thought I'd find you here. The degradation process. Only I can stop it. Genesis. You won't take Hollander. Zack, go after Hollander. Yeah. There is no hate, only joy, for you are beloved by the goddess, hero of the dawn, healer of worlds.
Loveless again. You never change. Three friends go into battle. One is captured. One flies away. The one that is left becomes a hero. A common story. If we were to enact it, would I be the one to play the hero? Or would you? It's all yours. Indeed. After all, your glory should have been mine. How petty. In hindsight, perhaps. Now what I want most is the gift of the goddess. Il ne s'échappera pas, pas avant de nous avoir dit où est Angel. N'inquiète pas, Zach, on va lui péter les genoux. Ouais, là, en attendant, c'est moi qui vais me faire péter les genoux. Putain, je suis en galère. Ah bah j'ai mouru. Ah merde. Première fois qu'on a un game over. Eh bah écoutez, je pense que je vais faire une ellipse jusqu'à ce qu'on revienne là. Bon, on en est revenu là. Espérons que je remarque pas comme un boulet. Sauf si j'y ai pensé, je me suis soigné avant le combat. Voilà. Vas-y Angel, pète-leur. Ah Angel, pète-leur les genoux. Putain. Faudra vraiment que je pense à faire les missions off parce que. Ah, parce que ça pourra m'être utile de level up un petit peu. Ah bah, parlons de level up. Voilà, ça c'est fait. Donc. Je vais m'acheter quelques remèdes en stock. Voilà. Très bien. Hop, allez. Reviens ici, enfoiré. Voilà, ça c'est fait. Hop, une petite sauvegarde encore d'épisode. J'ai pas bien vu, il est parti par où? Je crois qu'il est parti par là. T'es sûr de toi, Zach?
Moi, je suis pas sûr, hein. Ah bah si. Bon, il se barre. Lopette. Pas d'item, non. Et allez, chope-le. Coup d'épée dans la tronche, ça aurait été réglé. Je peux pas esquiver le feu et la glace en même temps, hein. Bah si, je peux concrètement, mais... On va aller par là. Vas-y, ces filles. On va leur péter les genoux. Je crois que lui, il est mort. Eh oui. Bon bah allez. Une petite enchaînement level 2, c'est bien ça. Veut tuer le machin tout moche. C'est lui qui est dangereux. Ah bah je t'ai trouvé toi, espèce de saloperie là. Putain. Un petit bonus magie. Coucou. Reviens ici, tu vas juste te prendre un coup d'épée dans la tronche. Allez. Je te jure, t'auras pas mal. Bon, si un petit peu, mais. Le mec comme par hasard il se remet à courir à chaque fois que j'arrive. Arrête. Au pied Hollander. Ah il m'énerve. Surtout que j'aime pas ces mobs là. Oh oui, sauve moi la vie. M'en fout de la cinématique. Oh oui, sauve moi la vie. Effet level up ma bonus de résistance. Vas-y. T'as raison. Is this the end? I'm trying. Ah, un autre sauvetage? Oui, un autre sauvetage.
You can do it, Zach. Yeah, I'm on fire now. Petit salto, on prend l'épée et on lui pète les genoux. Viens ici. Hollander, vous êtes coincé. Au pied. Il y a un coffre là-bas. Et bah écoutez les amis, je vois qu'on est bientôt à 20 minutes, donc je pense qu'on va pouvoir se laisser là et je vous dis à la prochaine pour la suite de Crisis Core. Allez, bye tout le monde.